Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui c'est parti pour Subnautica et non pas la version Below Zero, mais Subnautica qui est sortie le 15 mai de mémoire, sur Nintendo Switch au prix de 30 balles. Donc là on est au 7ème épisode, donc vous connaissez un petit peu la base et tout. Voilà, pas de nouvelles améliorations à part l'histoire de l'aquarium là, mais on verra ça ensemble prochainement. C'est pas le délire de pour le moment de cet aquarium, on verra ça là. Ça nous permet de scanner, de voir un peu les œufs en fonction de ce que tu mets comme œuf, ce que tu peux avoir. Voilà, j'ai encore 2 œufs en stand-by dans l'aquarium d'Alien là. Tranquillou, mais c'est pas le but de l'épisode. Le but de l'épisode là, ça va être d'aller visiter normalement, si on a le temps, l'Aurora et le fameux bateau à visiter, enfin l'épave qui reste à visiter que j'ai toujours pas faite. Donc on va aller faire ça ensemble, je fais une petite sauvegarde, normal, puisque du coup j'ai eu pas mal de crash sur Nintendo Switch de Subnautica, hop, donc là je sais pas si vous avez vu, mais du coup j'ai bien le réacteur. Pareil, pour le réacteur, ce qui fonctionne bien c'est la merde de Scarabée, voilà, c'est ces machins là, extrêmement d'extraterrestres, c'est les merdes de Scarabée. Je vais essayer de vous montrer à partir, bah là j'ai la flotte, bah voilà, nickel. Ça génère du sel et de l'eau. Ça, c'est impeccable. Ça, quand je vais partir en longue mission, j'aurai de l'eau. Voilà. L'eau, je la garde pour moi. Ça, je le stocke. Peut-être pour faire de la javel, je sais pas, je verrai. Alors, normalement. Le truc au scarabée. C'est la caméra 3. Je mettrai peut-être une caméra. Voilà. Donc, on va essayer de monter là-haut. Donc, là, vous êtes. On peut, voilà, un chouï près quoi. Hein. Mais les scarabées, c'est sud-ouest à peu près. Bon, grosso merdo, hein. Là tu vas sud-ouest. À 1400 mètres. Et en profondeur, je crois que c'est 250 mètres. Voilà. Mais tant que, voilà, si t'as la distance, tu fais 1400 mètres, paf, tu descends et c'est bon quoi. Et nous, normalement, on devrait aller. Non, c'est pas là. C'est pas là. Grotte rose, anthracyclope, combinaison, ça c'est ce que je vous ai montré. Putain, je sais même plus où je l'ai mis le bordel. Ah, c'est fort. Bon, bah je sais pas où il est. Du coup, balise 11, ça c'est pas grave. Ça c'est pour vous montrer un truc plus tard, parce que je l'ai pas nommé pour le moment. Il naufrage, vaisseau à voir, donc il est vert. Le vaisseau à voir, ah bah il est vert. Donc ça doit être vaisseau à voir, voilà. Donc direction nord, tout droit, on a un vaisseau à voir. Donc là je vais pas prendre le cyclope il est là, on va y aller en Simos. Tranquille, je vais prendre un petit peu de nourriture et puis on va y aller. Donc le vaisseau à visiter, j'ai déjà commencé à le visiter, mais j'avais pas assez d'oxygène à chaque fois, ça me saoulait. Et je me suis dit bah, pourquoi pas le finir avec vous, pour être tranquille. Donc là, on check vite fait, tac tac tac, on a de l'eau, on a ce qu'il faut, hop. Juste pour le délire, ça, il est à 100%. Merde, il manque un truc là. Ah, j'ai mis où? Ça, c'est pas drôle par contre. J'ai perdu mon propulseur. Et je sais pas où je l'ai rangé. Non, il est pas là. Ah merde! Je l'ai perdu! Ça, c'est pas drôle. Ah bah non, il est pas là. Merde! Bon, bah tant pis, on va refaire un vite fait. Je sais pas où j'ai mis. C'est la douille. Ah, c'est malin. L'épisode commence bien. Voilà. Équipement, bah, pourtant, outils. Sais même pas où on le crée. Elle est bonne celle-là. Ah bah peut-être là. Bah c'est là. Donc une pile de lubrifiant, de fil de cuivre et du titane. Bon bah c'est pas grave, hein. J'en aurai un deuxième mais. C'est ballot ça. Soit je l'ai balancé sans faire exprès, soit il est quelque part. Heureusement que j'ai tout à disposition pour le faire. Du titane, je crois qu'il en faut 3. Du lubrifiant,
Ouais, faut que je leur fasse une voiture, mais j'ai ce qu'il faut. Voilà, hop, c'est reparti. Et voilà. Bon, je sais pas du tout, j'ai mis l'autre. Ok, au niveau des piles, on est comment? On a assez de piles ou pas? On a deux piles, ouais. Ça devra suffire. Hop, on va faire ça. On a à manger, on a des piles. Je sais pas du tout, j'ai mis l'autre. C'est une bonne question. Là, le délire. Ça se trouve, j'ai jeté. Bah non, c'est pas ça. Je sais pas où il est. Bon, bref, allez, on y va. Ça peut arriver, hein. C'est des impondérables. On va pas traîner plus longtemps parce que j'aimerais bien visiter aussi l'Aurora avec vous. Et là où on va aussi, c'est assez casse-couille. Je dois vous l'avouer, il y a plein de monstres et tout, c'est un peu chiant. Hop. Je me demande si j'aurais pas dû mettre les torpilles sur le Simos, quoi. Mais bon. C'est par là. Côté l'île aux aliens. Hop. Là, on a un petit peu de route à faire. Bon, à 1000 mètres. Ça va, on a connu pire. Bon, normalement, il n'y a pas de Léviathan où on va, mais on a des gros monstres là, on va voir ensemble. Et je sais que la dernière fois, il commençait déjà à me péter mon Simos. Et j'avais pas autant d'oxygène, c'était un peu galère, fallait que je jongle entre l'oxygène, la réparation du Simos et tout. Une vraie galère. C'est pour ça que j'ai juste commencé, mais je me suis dit, allez hop, je le ferai sur la Gata TV. Donc là, il y a des endroits à aller voir hein, quand vous êtes sur la route, n'hésitez pas à aller voir. Là, il y a encore un œuf là. Ouais, c'est des grosses bébêtes comme ça là, les cuirassés là. Il y en a la dose. Ah là, vous voyez là, il y en a un là. Comme ça sera fait, on l'aura fait ensemble ce vaisseau à voir là. Alors c'est l'épave, il reste 100 mètres. Ah bah voilà, j'y suis. Oula, il y a eu un gros bug d'affichage là. Le délire. Ouais non, mais c'est bon, me faites pas peur. Allez, casse-toi toi. Hein? C'est bon, t'as compris? Ah bah je crois que je l'ai cramé. Non? Je croyais l'avoir cramé. Faut que je retrouve par où je rentre. Ça c'est la bonne question parce que je m'en rappelle plus. Là il y a une grosse épave et je me rappelle plus par où je suis rentré. Ah bah là il y a un PDA là que j'ai pas ouvert, donc j'ai bien fait de revenir dans la zone. L'heure des créatures. Bah tiens, je l'avais même pas su là. Impeccable. Bon ça je pense qu'on pourra le mettre avec le cyclope. Est-ce que c'est par là l'entrée? Putain, je me rappelle plus. Non, ça a pas l'air d'être par là. Hein. Putain, je suis à 78 là. Je vais le réparer quand même. Non mais sort, voilà. Ah ouais non c'est pas drôle. Ah vous voyez ce que je vous ai dit hein. Ils vont me défoncer le truc. Bon, toi qui défends. J'ai pas envie de le perdre. Donc quand j'étais pas là, bam bam, je suis arrivé, je fais le... Oh, le délire. On rentre pas par là. Je suis rentré une fois. Donc là, le bruit que vous entendez, il n'y a pas à s'inquiéter. Ah, pour moi, c'était de ce côté-là.
que j'avais mis, j'avais posé dans les décombres là. Ah voilà. Donc je l'avais posé ouais, dans ce coin là. Pour être tranquille. Bon après pour repartir c'est une autre paire de manches mais... Hop. Bon, on va dire que là c'est bien. Franchement, j'espère que c'est par là. Voilà, il y en a des boîtes, des trucs à fabrication là. Ok, je vais prendre la lampe. On va boire un peu d'eau. Et on va manger un petit bout. Alors, qu'est-ce que nous avons là? J'espère pouvoir le terminer avec vous. Donc il y a plein de trucs à voir. Hein. Là, je peux pas pousser. Donc voilà, il y avait les jardinières par exemple. Ça, je sais déjà scan. Ok, on continue. Le canon en propulsion, je crois que j'avais scan de mémoire. Ouais, j'avais scan. Mais là, vous allez le trouver ici. Hop. Bon, de toute façon, à chaque fois que vous avez le petit truc, hein, vous le sortez et puis voilà. Vous prenez pas la tête. 141, on fait attention à l'oxygène. Vers 50, on retourne au vaisseau. Donc là, je sais pas s'il y a quelque chose à prendre. C'est le bordel en tout cas. Là, ça va être à découper. Voilà, impeccable. Donc généralement, quand ça a découpé, c'est qu'il y a des trucs intéressants. Je dis bien généralement. Ah bah. Hé hé. Qu'est-ce qu'on a là? Une tenue. La combinaison. Voilà, 2 sur 4. Bon, je l'ai pas retiré, mais c'est déjà ça. 1 sur 20. Fragment de combinaison numérisé. Oh là 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 là, putain. Ah ouais. On va pas aller loin, hein. 2 sur 20 avant de l'avoir. Ok, ok. Hop. Ah bon, on n'est pas prêt de l'avoir la combinaison. Je le dis, moi. Ce rythme-là. Ah, là, il y a un truc. Terminal de données. ARAWN Safety Instructions Appendix A14. Don't climb on or get off. Merde, j'ai plus assez d'oxygène. Bon, on va revenir. J'avais dit 50 et du coup, j'ai pas envie de mourir. Mais là, à mon avis, c'est mal donné. Du coup, comme on a découpé là, ça va être beaucoup plus rapide. Allez, on y retourne. Vraiment très intéressant celui-là. Voilà, faire attention là. On y va beaucoup plus rapidement. Hop. C'était par là. On monte par là. Un petit peu de lumière. Et là, ça a découpé aussi là. Hop là. Donc si ça a découpé, c'est qu'il y a quelque chose de forcément intéressant. Ah, je pensais trouver la combinaison prône en entier ici, mais ça va être compliqué. Ah, j'ai un PDA là. Ah, je l'avais déjà.
rien d'autre. Pas l'air, hein. Je crois que j'ai fait l'entièreté. Il nous reste encore un bout là. Fais attention, 156. Par là, non. J'ai une porte qui est complètement défoncée. Ah ouais. Que c'était le bon kiff de faire ça, je sais pas. Hein. Pour retourner au vaisseau peut-être. Ou pour revenir, mais. Du coup on peut descendre par là, mais je sais pas si je vais pouvoir avec le canon à. Merde. Oh, de toute façon c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ah là. Ah voilà. Bon, il y en a deux là. Attention toujours. Putain, j'avais déjà ça. Bah j'avais tout en fait. Oh bah non, c'est une blague. J'ai pas fait tout ça pour ça. Bah faut croire que oui. Bon bah tant pis. J'ai vu que je crève et je serai encore mieux. Oh là. Ouais, j'avais un truc à scanner là. Ouais, mais j'ai plus beaucoup de machin alors. Putain, il est où le Simos? Bah ouais, moi aussi j'aimerais bien. Là. Voilà. Bon, bah on l'a fait. Du coup, il y a des choses intéressantes. Et d'autres un peu moins. Par contre, pourquoi c'est tout rouge comme ça là? C'est le délire. Oh ouais, tu commences à me saouler toi. Mais cassez-vous un peu. Ah, je vais mettre les torpilles moi. Par contre, du coup... Bon, bah du coup il était posé, ok, bah super intéressant. Découvert pas mal de choses sympathiques. Mais je pensais terminer la combinaison prône, tu vois. Même pas. Est-ce que j'étais là? Il y avait un truc là. Là, il y a une grotte. On pourrait y revenir. Oh là 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 là, enfin, je le répare. On peut pas me lâcher hein. Et on est que à quelques centaines de mètres de profondeur. Hop. Au moins on aura fait ça. Voilà, on fait une petite sauvegarde. Parce que du coup on a quand même récupéré un peu de loot. Donc ouais, je vous avais prévenu, hein, ils sont un peu casse-couilles les monstres là. Du coup, je sais même pas ce qu'ils voulaient que je scanne tout à l'heure, quand je cherchais je sais pas quoi là. Peut-être un truc, mais non, pourtant par là y'a rien. C'était ça là qu'ils voulaient que je scanne? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Tube de corail d'argile. Ouais, il est chiant là. Je vais mettre un coup de 220 direct là. Petit coup de mawashigari là. Putain, ça va te calmer.
vais te mettre un coup de couteau là, tu vas voir. Hop. Il faut que je mange. Oh, par contre j'ai récupéré ma titane. Hein. Oh, je les kill. Tu as pu m'emmerder comme ça. Allez hop. Lamblin. Voilà. Ça sert à rien là. Du coup j'avais vu qu'il y avait une grotte. Est-ce une bonne idée ou pas de y aller tout de suite? C'est peut-être une mini grotte mais je vais quand même prendre la Simos. Je vais pas rentrer dedans, je peux pas mais... Normalement on a fait le tour. Hein. S'il y avait juste lui pour m'emmerder mais non. Donc le vaisseau il a 82. Voilà. Hop, on y va. C'est quoi le délire là? Pas l'air d'y avoir grand chose à part ouais, un petit peu de rubis. C'est pas chambé hein. Et c'est surtout la sortie en fait, j'ai pas envie de me perdre. Même s'il y a des sorties partout. Je sais que le Simos il est là. Ah, je suis déjà perdu. Non, le Simos il est là, nickel. Je sauvegarde. Ah ouais, tellement baisé que... Maintenant je fais attention. Bon bah du coup on va arrêter là avec ce vaisseau là. Ouais, tu veux descendre? Vas-y descends. J'ai déjà fait ton frère tout à l'heure. T'es mort là? Non? Ah bah oui t'es mort. Hop. Je suis devenu soit puissant soit ils sont trop nuls. Un truc là. Du coup il y a plein d'îles. Ah merde je me suis tué tout seul là, c'est malin. Il y a plein d'îles à faire. Donc à voir s'il y a des choses... Les œufs. Ça c'est l'île alien. Oh et oh, tu vas me foutre la paix. Tiens, ça va te calmer 30 secondes. Ouais bah voilà, t'as peur. Bon là il y a un morceau. Je crois que c'est tout. Là il y en a d'autres à voir. Mais je pense pas qu'il y ait grand chose. Là partout en vrai. Non, là y a rien. On va aller le réparer. Oh, ah bah maintenant il m'attaque à plusieurs. C'est malin. Ils vont me le défoncer. Et dire que je crois que j'ai tout attaqué hein. Sur le Simos. Sympa. Par contre là il y a des uns longs lag. Oula. Ah oui d'accord. Oh, il doit y avoir un truc là. Du coup ça nous écarte du chemin sur les îles. Je sais pas ce que ça promet là-dedans. On est à 12 ans. Entièrement d'accord. On peut y faire un petit saut vite fait là. S'il n'y a pas trop de danger. On est à 300 mètres. Il y a du rubis, il y a des algues sanguines. Le son vient de changer, c'est assez terrifiant. Donc, je sais pas ce qui nous attend. Ah ouais, il y a des machins comme ça, mais je suis pas prêt là. Ah ouais, j'ai pas assez d'équipement là pour le faire.
Ah, c'est super intéressant par là, mais lui s'il me fait chier, je suis mort. Mais s'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'il faut se dire. Ah, ça ressemble à une... Ouais, non, je sais pas si c'est une grotte en vrai. Ah ouais, ça ressemble à une grotte. Moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de mettre une balise ici et de revenir quand on sera un petit peu puissant. Et évidemment, j'ai pas de balise. Alors ça, pas bien. Pas bien, pas bien du tout. Mètres, donc ouais, on doit être au nord, ouais, nord-ouest, nord-nord-ouest là, à 528 mètres. Il y a une grotte à visiter, donc faudra que je revienne. Et j'ai pas de balise, je peux rien laisser. De... Dommage, dommage, vraiment dommage, j'aurais bien voulu la faire. C'est des champignons abyssales là. Là il y a ça. Faut que je me prenne un point de repère. Oh, ça gueule de partout là. Non! Un Léviathan! Fantôme! Oh, je savais que ça puait. Oh le bâtard! Il est où ce bâtard? Il est là. Ah là 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 là. C'était trop chelou pour pas que ça me casse les reins. Ok. Donc on est là. Ah ça, à mon avis, va falloir que je revienne quand je vais être un peu plus féroce. Du coup, je vais essayer de voir si je peux pas avoir un point de repère, mais ça va être compliqué d'avoir un point de repère si... Soit mettre une caméra... ah, quoique, j'ai peut-être un moyen de... De revenir et éviter de me perdre. C'est de créer une sorte de salle ou je sais pas quoi, là. Si j'ai assez de trucs. Je vais faire ça. Je vais me mettre là. Non, c'est pas ça. Je vais essayer, je vais voir. C'est peut-être pas la bonne idée, mais pour l'instant j'ai que ça en tête. Ok. Du coup, hop, non, on va pas faire ça, on va faire ça. Ah. Non, ça, ça m'ira. Essayer soit de créer une salle de scanner ou... Ouais, non, salle scanner, ça va être compliqué. Titan Fossil, je peux créer ça. Mais je sais pas si... Ah bah voilà. Je la crée, comme ça je suis tranquille. Et normalement, j'ai pas assez pour le reste. Non, je pense pas. Il faut que je crée une écoutille et tout ça, mais au moins j'ai un système de base là. Je crois qu'il va venir me faire chier lui. Ça, après je peux le défaire, c'est pas le problème. Putain, c'est pas possible. En plus il faut que je bois. Ah ouais, venir là c'est une mission hein. Va falloir être équipé plus que ça pour venir ici hein. En plus j'ai pratiquement plus à manger. Il va pas falloir que je joue trop au con. Mais du coup, ouais, essayer de trouver un système. Là, il y a deux titanes. Ouais, non, c'est là que je veux que tu ailles, moi. C'est pas dans le vide.
Il veut pas. Ah voilà. Je mettrai une écoutille un peu plus tard. Parce que pour l'écoutille, j'aurai pas ce qu'il faut pour le moment. Je pense pas. De toute façon, il va falloir. L'écoutille, il faut du quartz et du titane. Mais au moins, avec ça, je serai tranquille. En plus, il y a le Léviathan là. Pff, ouais, c'est tombé. Hein. Je vois pas comment faire pour le moment. Si j'y vais comme ça, je vais être mort. Là, avec le Léviathan, il suffit qu'il me croque. Allez, on y va. Je vais laisser quelque chose. Par contre, ce que j'aurais bien fait... Mais non, je vais pas en avoir assez de toute façon. Bon, je reviens avec ce qu'il faut, mais... Du titane, j'en ai, mais j'ai pas d'or. J'aurais pu mettre un transmetteur. Puis ici, les ressources sont un peu pauvres. Non, c'est pas mal. Il y en a à 12, hein. Mais bizarrement, la grotte a été trop calme. Et puis, mais généralement, quand ça pue la merde comme ça, c'est qu'il y a du lourd. Donc la grotte, faut la faire. Donc je vais me préparer. Je ferai certainement ça offline. Et quand je serai prêt, on le fera ensemble. Ah, c'était beaucoup trop calme. On a vu le Léviathan fantôme là. Hop là. On remonte un petit peu. Et du coup là, bah, on va aller se faire l'aurora. Hein. On va aller voir un petit peu. Parce que comme il a pété et qu'on a vu que c'était un petit peu ouvert, ça se trouve il y a des trucs. Et ah ouais, on a un appel aussi. C'est ça que je voulais faire avec vous. On a un appel radio, donc on va aller voir. Et je crois que dans ce... C'était pas là, c'est là où il y a beaucoup plus de farm que j'ai eu à l'intérieur. Je parle pas exploser à l'extérieur. Parce que là, si je prends le cyclope, j'ai même pas le MK2 pour les profondeurs. Ouais, non, ça va être compliqué. Voilà, on va aller manger un bout, on sauvegarde, toujours sauvegarder, surtout si t'es sur Switch. Et là par exemple, j'ai encore deux trous là dans la salle de scanner, je sais pas pourquoi, faut que je regarde. Ça, on mange, on fait la radio et on y va. Je suis au taquet là, c'est bon. Ah, j'ai pas pris, j'avais du rubis. Tac, 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 tac. Voilà. Par contre, je sais pas où j'ai mis mon propulseur là tout à l'heure. Heureusement, j'en ai refait un. Mais... Le délire. J'ai dû le jeter dans la mer. J'ai pu le retrouver un jour. Hein. Top, on fait l'appel à radio. Oh merde! Ah ouais, ça va pas trop m'aider ça. Un appel radio alien. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse?
Ah, c'est bon. Oh, déjà, j'arrive bien. Ouais. Oh, deux bouteilles. Excellent. Ça tourne, non? Le sel, je vais le jeter là. J'en ai pas besoin pour le moment. Ah ouais, l'heure de créature, je peux le faire, impeccable. Moi ouais, la balise, ouais, faut que j'en fasse une. Hop. Un, deux, trois, ça c'est pour le cyclope. Ouais, je crois qu'il m'en manquait encore. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On a mangé, on a ça, on a ça, on a ça. Bon, bon, on y va. On va aller faire un petit coup d'Aurora. On va aller voir. Alors là-bas, il y a des radiations, donc je vais mettre tout de suite le masque. Là-dedans, normalement, j'ai rien qui me... De toute façon, comme on va dans l'aurore. Par contre, là, ouais, le truc de la balise, pensez bien à prendre une balise à chaque fois que vous allez quelque part. All systems online. Ou une caméra. Hein. Donc là, autour de l'aurore, faut faire super attention aussi. Il y a un Léviathan. Par contre, ouais, je pensais finir la combinaison de prône, mais du coup, wow, le délire. Je suis loin de... tout ça quoi, de tout avoir, ça c'est chiant. Parce que là j'ai bien récupéré ça, là j'ai la là pour l'amélioration, bon il va me manquer le minerai et le cristallin, même si je sais où je peux en avoir du cristallin, mais c'est compliqué parce que bah, j'en prends plein les mirettes à chaque fois. Et combinaison prône, ouais, 2/20. Pff, oh là là. Donc déjà derrière j'avais fait, il y avait rien. Dans les premiers épisodes ensemble, j'avais été voir. Hop. Par contre, ouais, des vraies armes, ça manque quand même hein, pour tuer les bestioles là. Pouh. C'est quand ils sont bien casse-couilles là, comme tout à l'heure. Ça m'aurait fait bien plaisir de pouvoir les exploser. C'est quoi ça? Ah oui. Mais tiens, il y a un truc là. Mais... le corail. Là, il y a un à scanner. Et l'aurora, c'est le premier truc à faire. Hein. Tu fais tout autour là. Ça trempe de partout là. Il y a quoi là? C'est le soleil? Ah, c'est le soleil qui fait ça. Bon, maintenant il va falloir trouver un endroit. Ça a bien pété hein, parce que c'était pas comme ça au début. Hein. Puis, évidemment, je visite de nuit. On va plus faire ça de jour. Ah, où ça va se lever, je sais pas. Moi j'en sais rien en fait. Là je reste au-dessus. Je sais pas si on rentre par en dessous, par en dessous, au-dessus. C'est une bonne question, on va essayer de trouver. J'espère qu'il n'y a pas de monstre. Tout ce que j'espère c'est qu'il n'y a pas de monstre. Donc là la structure elle est pétée. Ok. On va essayer de se caler là. Ah, il y a déjà des monstres là.
Alors j'espère que je peux perdre mon CMOS parce que la dernière fois que j'ai posé un CMOS comme ça, je l'ai perdu. Être requis, l'exploration se fait. Ouais, d'accord. Bon bah j'ai bien fait, à la base c'était pas fait pour ça les machins, mais. Vas-y, viens. Ah, comme ça, tu vas me foutre la paix. Parce que là, bah, du coup, c'est exploration, mais sur Terre. Moi, ça m'intéresse. Ils ont pas l'air de vouloir m'attaquer, là. Ah, si. En blanc. Ok, bah c'était déjà prévu en fait. Ah, il y en a plein. Hein. À vos risques et périls. Ok. Donc là, j'ai pas vu de truc à scanner. Merde, dis-lou, c'est con. Ah ouais, il va falloir que j'use... Donc là, il n'y a rien de particulier. Le machin, il va péter. Je sais même pas où il faut aller. Ouais, c'est pas très... Il est déjà mort, mais là... Bon, on va aller voir par là. Les tissus humains. Oh, c'est joli là. Bon. Je sais pas où je vais. Hein. Et pour l'instant, je vois rien à scanner, ça me saoule. Très utile, il y a toujours un truc. Ah. Oh merde! Viens par là, toi. Pas me faire chier. Ok. Donc on va s'équiper de ça. En plus, j'en avais déjà pris un pour moi. Au cas où. Putain, comment je peux brûler là? C'est vraiment chaud. Hein. C'est vraiment... Tu m'étonnes. Le système de l'aura fonctionne sur l'alimentation de secours. D'accord. Ça, je l'avais déjà, canon propulsion. Ah. Ouais, cool. Ok. Est-ce que par là, il y a quelque chose? Pff, moi, je vais n'importe où. Là, on peut peut-être faire un petit coup de ça. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Après, ça peut-être pas donner grand chose, hein, mais bon, au moins on l'aura fait. Ok, ça c'est quoi ça? Ah ouais, non. D'accord, aucune technologie connue. Mais je sais même pas où je suis là.
Ok. Cool. Donc les codes ils vous sont donnés à la radio. Si vous cherchez, puis d'écouter la radio. Ouais, comment on fait pour aller là-haut? Ah. Putain, il y a un chariot élévateur là. Une bouteille d'eau, nickel. Putain, ça va péter. On va être dans la merde. Il y a de l'eau. Bon. Oh merde. Chiant ça. Ah bien ça c'est pour le découpeur laser. Voilà. Là. Non c'est pas non plus ça. Là. Tout doucement mais sûrement on y va. Après il va falloir ressortir et j'ai pas prêt à manger. Donc je pense que ça va être une mission en deux temps. Oula, il y a des trucs là. Mission auxiliaire de l'Aurora. Du coup, là, il y a quoi là? Toujours rien à scanner? Oh, c'est un sketch. Prendre la lumière. Ah, une pile super intéressant, de l'eau. Ah, si je suis venu pour une pile et de l'eau, c'est chaud là. Non, j'ai... Ça c'est embêtant. Voilà, là c'est le réparateur qu'il faut. Au moins ça te sert. Oula! Ah bah je crois que j'ai trouvé un truc énorme là. Oh les prunes. Ah, la musique change. Oula. 3 sur 4. Bah je sais pas s'il faut aller là-bas mais... Ah bah j'ai la combinaison de prône, impeccable.
Ah merde, comment on fait pour remonter? La blague. Là. Enfin, j'espère. Ok, bon là c'est juste des fragments, mais j'ai enfin la combinaison prone. Ok, super. Donc on a trouvé où elle était. Putain, on peut pas y aller par là. Là-bas il y a une porte, mais je pense que je vais pas pouvoir. Bon, bah j'ai enfin la combinaison de prone, et du coup il va me falloir diamant vert émaillé au rejet de plastacier. Tout ça j'ai, heureusement. Donc, on va faire une petite sauvegarde. J'ai pas faim pour le moment, mais on ne sait jamais. Donc je sais pas s'il y a autre chose à découvrir. Tout là, oh, y a rien là. Au pire, je reviendrai. Putain, j'ai découvert la combinaison de prône. Attends, il y a plusieurs. Donc du coup, on pouvait soit l'avoir dans le roi, soit en pièces. Chelou ça. Ok, bah du coup, on va pouvoir se faire plaisir. Ah, là, il y a un truc. Ah, mais prends-le. 12 propositions. Le problème c'est que je sais pas m'orienter, donc ça va être sympa. Il y a par là, il y a par là. Par là je crois il y a rien, si. Là il y a une pièce. Oh je pense. C'est quoi ça? Oh merde. Oh ça me saoule ça hein. Y'a rien là-dedans. Non là je suis. Ah j'y suis déjà allé là. Machine BACMOS. Ah. Quelque chose encore à découvrir. Hop, putain, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Il y a un PDA. Il y a peut-être encore des choses à faire sur le CMOS. Hein. C'est pas. Ah, attends. Hop. Un second. Ça c'est ok que tu n'auras pas trouvé le CMOS quoi. Ouais voilà. Mais nous on l'a découvert déjà. Ok. Bon je vais certainement avoir oublié des trucs hein mais. Donc est-ce qu'il y a différents scénarios? Parce que du coup là moi j'ai eu le CMOS bien avant. Bizarre, bizarre tout ça. Là j'ai découpé par là. Là je sais pas s'il y a par là. C'est marqué quoi? Salle des machines. The drive core shielding sustained internal damage during collision. Do not attempt repair without appropriate qualifications. J'en referai, hein, j'étais. Warning, local radiation at maximum tolerable level. Ah, il y a un truc, mais je sais pas si je pourrais le prendre. Ouais, d'accord, là je l'ai pas. Oh ça craint quand même hein. De toute façon les radiations
Tiens, je suis un peu cramé avec tout ce que j'ai fait là. Mais ça j'en ai pas de ça. Oh, c'est chaud, hein. Ouais, bah tombe à côté. Oh merde! Est-ce que ça sert à quelque chose d'éteindre le feu ici? Je pense pas. Où c'est compliqué là? Non, bah là non, y a rien. Ok. Moi j'ai rien vu à scanner par là. Hein. Bah, si j'ai oublié quelque chose, bah n'hésitez pas à me le dire. On va monter l'échelle. Voilà. Bah du coup on va. Ah là il y a un extincteur. Inventaire plein. Bah non 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 non, je suis pas d'accord là. En plus il y a de l'eau. Une titane, j'en ai à foison déjà. Voilà, on boit. Ça craint quand même. Faut pas dire ça craint. Ok. Il y a une porte mais je peux pas l'ouvrir. BA prone. Bon là j'étais là de mémoire, voilà. Non j'étais pas là, si. Oh non je me suis trompé encore. Ah non la BA prone j'y suis déjà allé. Oh il va falloir que je ressorte. Éviter de mourir. C'est que j'ai plongé dans un truc. Ah ça c'est bon. Là, ok. Le truc c'est que j'aimerais bien ressortir moi. Oula, oula, on va pas mourir tout de suite mec. Ah là, peut-être. Ouais, je viens de là par là. Je m'en souviens. Enfin, je m'en souviens. Je suis monté là-dessus. Ok. Non, je veux pas cramer. Ça prend le feu direct. Ah là, il y a des trucs intéressants là. Ah non. Pas de pilier. Par contre, c'est chiant, ça reprend le feu direct. Ah, ça m'arrange pas là. Ah, c'est tout fait pour qu'on crève en vrai. Faut venir avec plusieurs extincteurs, hein. Y'a pas moyen. Hein.
Le truc c'est, est-ce qu'il y a un truc là-bas? Non, je pense pas. On reviendra de toute façon. On va revenir parce que je pense que je n'ai pas tout fait dans l'Aurora. Là, j'ai pas envie de prendre plus de risques en plus que je vais avoir faim. Je suis sûr qu'on... Wow. Faut que je retrouve mon Simos aussi là. Merde. Ouais, c'est dangereux quand même. Hein. Est-ce que j'étais venu de par là? Délire. Je sais même pas par où je suis venu. Ça c'est fort ça. Putain, je suis mis par où? Attends, si ça, ça descend là. Non, ça descendait pas ça. Ah non, pas mourir. Le pro... Ah bah le Simos il est là. Et je suis arrivé de par là. Bon là il y a du délire là. On va revenir. C'est sûr. On n'a pas fini. Welcome aboard, Captain. On n'a pas fini avec l'Aurora, mais au moins on a visité, on a trouvé la combinaison de prônes. On va pouvoir se faire plaisir, la construire. Ça gueule bien quand même, hein. C'est limite effrayant. Léviathan, je l'avais dit. Il est à notre trousse. C'est pas pour un qui gueule. Je sais pas où il était, mais il était dans le coin. Bah voilà. Ah yeah. Dès qu'on commence à voir 2-3 trucs, il est où? C'est barré. Pourtant on n'était pas dans sa zone. Hein. Tout à l'heure on n'y était pas. Hein. La capsule numéro 4, mais je sais même pas si on l'a fait la capsule numéro 4. Et alors en plus elle est à l'envers. On l'a faite? C'est une bonne question. Oh, on l'a pas faite. Allez, rentre dedans. Qu'est-ce qu'on va avoir? Attention. Voilà, un truc qu'on avait déjà. Ok. Voilà, je peux pas le réparer. Bon bah voilà, on a failli se faire bouffer par les Léviathan quand même. Petit cadeau quand tu sors comme ça de l'Aurora. Impeccable, le truc qui fait plaisir. Allez go. Bah du coup là ça va être full construction. Très très bon épisode là franchement. Visite du vaisseau. Donc par contre trouver les 20 fragments avant de trouver... Imagine, tu trouves... T'as pas le truc de l'Aurora là. Tu cherches 20 fragments. Ouah, le truc a pété un boulard. Parce que j'avais trouvé que 2 fragments depuis le nombre de genre, nombre d'heures de jeu que j'avais fait. Bon, on a faim et tout. Ouais, là pour revenir. Faut que je trouve autre chose. Je pense que la combinaison de prônes va nous aider. Ben, je vois bien comme ça moi. Merde, j'allais sur l'île des naufrages. Par contre, le Léviathan est venu de l'autre côté, alors que normalement, il est de l'autre, pas de ce côté-là, il est vraiment de l'autre côté. Là, il est venu de l'autre côté, donc de notre côté à nous. Ça veut dire que il y a vraiment des choses aussi intéressantes. Quand t'as un Léviathan, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et là, pour l'instant, il t'empêche d'aller voir. Après, tu peux faire un peu de forcing. Hein. Si t'as pas peur de mourir et tout ça, tu peux faire un peu de forcing et y aller.
Surtout qu'un Léviathan, une fois que t'as tout ce qu'il faut, ouais, tu peux le péter, quoi. Parce que là, même avec le Simos, j'ai eu une attaque de Léviathan. Bon, c'était offline, hein. J'ai mis deux coups de décharge, ça l'a fait, quoi. Du coup, le Simos, comment on le construit? Pop, 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 à partir de là? C'est là l'amélioration du Simos? Non, là, c'est les modules de combinaison. Wetch. Wetch, wetch, wetch. On va voir, est-ce que c'est avec le pour créer un... À mon avis, ouais. On va voir, mais je pense que ça doit être une... Un nouveau sas. Yeah, I think. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est ça. On va regarder vite fait, on va savoir, on va être fixé. Tac. Tac, tac, tac. Putain, ça va être dans les salles. Non, bah même pas. Chambre d'immersion. Oh, pff, je m'en rappelle même plus, tiens. Elle est bien bonne, celle-là. Non. Comment j'ai fait le Simos, déjà? La blague! Bon, je m'en souviens même plus. Donc là, c'est Simos à marée. La blague. C'est pas là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Ah, c'est une blague là. Je me rappelle même plus comment on fait. Parce que là, si c'est pas avec ça. Salle de multifonction, chambre d'immersion. Baie d'amarrage, véhicule nécessitant beaucoup d'énergie. Ah, faut peut-être refaire une baie. Peut-être. Ouais, ça m'étonne quand même. Refaire une chambre d'immersion? Peut-être. On a peut-être même pas besoin. Non, c'est pas là. Non! C'est Simos à marée. Parce que là, c'est pas ce qui va nous permettre de créer le Simos. Pas le Simos, le. Là, c'est module de combinaison de prône. Moi, je peux bien, mais comment on crée la blague? Parce que je sais le créer. Mais je sais pas comment. À pied dans des environs. Baie de véhicule mobile. Ah bah oui, baie de véhicule, je suis con. Complètement, c'est là. Chercher les véhicules. Je suis sûr que c'est là. Ouais, c'est ça. Donc là, je peux créer ça. Impeccable. Du coup, je pense qu'on doit pouvoir en faire. Je pense. Je vais voir quand même. Mais créer une annexe, je sais pas si je vais pouvoir la créer là ou là. Là, je sais pas si ça va y aller. Mais on peut peut-être faire une autre chambre d'immersion pour le. Pour le prône. Ça ne coûte rien. De toute façon, on va déjà le créer. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut de l'aérogel x2, du verre émaillé, du diamant x2, du plomb x2, du plastacier x2. Ouais, il faut tout x2, quoi. Il est lourd à construire, quand même, hein. Plastacier x2, ouais, il faut tout, sauf le verre émaillé. Donc, le verre émaillé, je l'ai déjà. Du diamant, j'en ai. Voilà. Ensuite. Oui. Diamant, du plomb x2. Ah bah, pour une fois qu'il faut du plomb. Le nombre de trucs que j'ai trouvé avec du plomb là. Ah, purée de pinaise. Inventer les plomb. J'ai faim. Hop. Ouais, ça on peut le mettre aussi. Oh, un beau poster là, ça claque. De l'eau, je peux la boire. Et la vie, c'est bon.
J'ai la dose de flotte. Mais là, en attendant, la flotte, je vais la stocker là-bas. Oula, de toute façon, il y a de l'eau partout. Voilà. Du verre émaillé, j'en ai un là. Du verre émaillé, il m'en restait un là. Voilà. Et ensuite, aérogel x2. Donc l'aérogel, il faut les pochons et du rubis. Par contre, je sais plus c'est combien de... De rubis, je crois que c'est... Non, c'est 1 pour 1, d'accord. On va chercher les sacs. Les gélatineux, là. Hop, juste avant. Voilà. Ah bah moi qui manquais d'eau, maintenant je manque plus d'eau. Mais bon, quand tu pars à l'aventure. Voilà. Petite sauvegarde. Ouais, ça j'avais essayé, c'est pour prendre de l'oxygène, savoir si c'était bien ou pas. C'est bien quand t'as pas beaucoup de réserves d'oxygène, ça t'évite de tout le temps remonter en fait. Hop. Hop. Voilà. Après, je pense qu'il va falloir faire une autre baie d'amarrage aussi hein, pour le prône. J'ai pris les rubis? Bah non. Lingot de pastacier, ouais, ça. C'est pas compliqué à faire. Corail. Oh, rubis. Il faut juste de la du titane. Et du lithium. Voilà. Donc là, on construit en zone ensemble, prône. Tranquillement. On a dit qu'il en fallait 2-2-2. Pour le prône. J'espère que ça va m'aider dans l'aventure, le prône. Ouais, là, un coup de plastacier. 2-2-2, ok. J'espère vraiment. Il me restait un peu de titane là, de tout à l'heure. Ouais. Puis on reviendra. Ah, j'ai un message. Il m'en manque deux encore. Ah merde, il m'en manque encore. Oh, 10. Putain, il manque quoi là? Ah merde, je les ai enlevés. Non, non, non. C'est malin. Et c'est titane x2, je crois. Si je dis pas, lithium. Oh, c'est pas vrai. Ah, mais si je mange que comme ça, ça va être long. Hein. Quelque chose qui nourrit plus vite, je crois. C'est le melon. Ouais, ça nourrit vachement plus vite le melon. Bon, je remettrai après les melons. Les pots de fleurs, j'avais fait exprès. Et régime melon, allez hop. Hop, perso, prenez-le sur Switch et tout ça. Enfin, il est pas terrible graphiquement, mais du coup en mode portable. Même si moi, j'apprécie pas trop le mode portable, mais après, vous pouvez continuer. Du coup, on avait dit du lithium, je crois. Faut 4 lithium. Voilà. Et c'est parti pour avoir du plastacier. Ouais, par contre, il m'en manque combien là? Encore 5? Bon,
Ça se fait qu'il m'en manque encore 5. De toute façon, je peux pas en faire 5. Ouais, ça devient compliqué là. Là, j'en... Excusez-moi. Là, je l'ai vidé, donc il va falloir que... Ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok. C'était 10 de mémoire alors ? Je crois que c'était 5. Voilà. Donc ça c'est pas grave, suffit d'aller chercher dans les épaves, tu y retrouves des débris, t'es tranquille. Et voilà. Là normalement on a tout ce qu'il faut. C'est magnifique, non? Impeccable. On lui fera une petite baie d'amarrage après. Enfin je pense hein. Ça se trouve je vais la faire pour rien mais... Et je vais peut-être même en faire un deuxième pour le... pour lui. Comme ça j'en aurai deux. Un ici puis un là-bas. Allez. Puis après on va même se faire plaisir, on va... On va faire tout ce qu'il faut pour l'améliorer. Oh la classe. Ok, elle est tombée à l'eau. Elle est tombée bien profond par contre. Non, c'est pas ce que je voulais. Ah, c'est bon. Donc là... Un peu. Wow, le délire. En bas, je sais pas ce qu'il y a, mais... Ok. Donc là j'appuie sur L. Ah c'est cool, je peux... D'accord, j'ai une sorte de propulseur là. D'accord. Oh, merde. Ouais j'ai une sorte de propulseur mais... Particulier à utiliser. Déjà tu te sens un peu plus en sécurité. Bon, on va le laisser là pour l'instant et on verra. Allez on quitte. Non on quitte. Et on va voir si on peut lui faire une baie. Welcome aboard, Captain. Et après on va lui faire tout ça là. Tout ça. Et je sais, amélioration. Ah bah ah ouais bah ça je peux pas le faire parce que j'ai pas les cristallins ni nickel. Où je trouve le nickel. Là. Lingot de titane x2, lubrifiant et plomb x2. Bon bah on y va. Comme ça j'aurai plus de titane. Hop, pour une fois. Mes armoires étaient pleines. Je sais même pas si je vais en avoir assez pour faire des lingots de titane. Oh, ça va être chaud, hein. Lubrifiant. Et au pire, si ça sert à rien, bah c'est pas grave. On le défera. C'est le gros avantage. Non, il m'en manque 4. Oh le délire. Non, il m'en manque 4. Bon bah... Il m'en manque 4. Plus qu'à trouver un débris. Pas le choix. Ça va rallonger un peu l'histoire. Je pensais vraiment que j'avais ce qu'il fallait. Puis ça, je sais pas où je l'ai mis là. Oh là là, le délire. Charge de débris. Ah, la musique a changé encore. Hein. Pas de débris à récupérer là. On va aller voir par là. Des moments il y en a. Parce que du coup il y a des rôdeurs. Pas mal ça.
Vous êtes coincé par mon piège. En plus, j'ai laissé le titane dans le... dans l'Aurora. Coincé. Il n'y a pas l'air d'y en avoir, là. D'habitude, il y en a plein de débris, mais là... En plus, comme il fait nuit, on voit pas grand-chose. Ils en ont pas dans la bouche. On a pas là. On va aller ailleurs. Bon, on en trouve à chaque fois un petit peu partout. Mais là, évidemment, je suis avec vous. Je peux pas en trouver. Une chaise. Je remonte à la surface bientôt là. C'est pas trop du cuivre que je voulais. Ah, il y en a là. Pas chercher trop longtemps quand même. Hein. Ça va. Inventaire plein. Faut me séparer de quoi? De rien. Eh ben c'est pas grave. Allez. On remonte. On a 250 mètres, on n'est pas loin. Je pense qu'il en faut une. Hein. J'en sais strictement rien en vrai. Je le redis, mais s'il faut pas, il faut pas. Hein. Je découvre le jeu et je me suis pas spoil. Ouais, ça le sait. Je vais l'enlever tout de suite. Bouteille d'eau. Tiens que j'en avais la dose de titane et d'un coup paf 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 y'a plus rien. Ok. Je peux faire un lingot de titane. Ouais. Ah ça m'a bien tout croqué hein. Du cuivre pour l'instant j'en ai pas besoin. Hop, voilà. Moi j'ai tout. Ouais j'ai tout. On va essayer de le faire. On verra. Parce que dans la zone où je l'ai mis, ça se trouve. J'aimerais bien le mettre là, mais ils vont me dire oh c'est pas possible. Là il peut bien. Oh non non. S'il est un petit peu plus loin c'est pas grave. Par contre ce que je l'ai fait dans l'axe. Pas convaincu hein. Je vais être mort de rire quand je vais vouloir le faire. Il veut pas. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Mais il veut pas.
Non, sérieux? Pour un poil de cul, là? Ouais, ça va être compliqué, là. D'accord. Bah, à mon avis, on va tout déconstruire. Puis on va le faire de ce côté-là. Si on peut. Bon, bah, on va pas se prendre la tête, hein. Ici, on mettra je sais pas quoi. Essayez là, on verra bien s'il peut m'en mettre deux. C'est un sketch ou il en fait exprès? Je pense que si c'est un sketch... Ah bah oui, il me l'a fait. Il m'a fait la jonction, nickel. Bon, maintenant à voir si lui il rentre dedans. Ah d'accord, cool, il y a un stockage. Non. Oh, c'est énorme. Welcome aboard, Captain. Ah ouais. Bon bah voilà. Nickel. Donc là j'ai mon truc, et là j'ai mon truc. Bah c'est nickel. Donc là, hop, on peut avoir des trucs. Donc là j'avais déjà préparé. Donc déjà 1h28 ensemble de record. Ça va vite, hein. Quand tu joues à ce jeu là, ça va vite, hein. Un petit bout. Alors si je pouvais manger du titane, ce serait pas fait chier dans l'aventure. Donc j'avais préparé pas mal de trucs à partir de là. Je crois qu'il va me falloir tout ça. On va faire un peu de place. Ah, j'aimerais bien recréer une... Ou trouver une armoire qui sert à que dalle. Y'a quoi là-dedans? Ah oui, non, là-dedans, non. Ah! J'ai utilisé celle-là. Histoire de stocker et pas tout mélanger. Hop, on va boire un petit coup. Nickel, allez. Il va même falloir de la place. Ça, j'en ai besoin. Hop, le couteau, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Je garde juste le... Voilà. Allez. Là j'avais, j'en ai pas besoin, ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin. L'aérogel, benzène peut-être, ouais. Peut-être pas deux, mais bon allez, on va en prendre deux. Et c'est parti. Donc j'ai, normalement j'avais mis tout en place avant pour améliorer le CMOS. Pas le CMOS, le... On va y arriver. Le canon en propulsion. Allez, c'est parti. D'accord. Deuxième. Ouais, j'avais déjà tout préparé. Alors. J'avais bien calculé. Ah bah non. Il manque titane x5. Et la blague. Je sais même pas si j'ai assez de titane.
Non. La baise. Il manque deux titanes. C'est vraiment du foutage de gueule. Du coup, qu'est-ce que j'ai besoin là? Là, j'ai besoin de rien. Ça, j'ai pas besoin. Hop, on va aller chercher deux titanes. On va pas y arriver aujourd'hui, hein. J'ai claqué tout mon titane et hop. Une épave, ça me donnait des titanes. Donc je sais pas du tout comment on les met, les si on peut ajouter comme ça. On va regarder parce que je suis comme vous, je découvre. Là j'étais là et j'en ai vu dans le coin tout à l'heure. Ouais, je crois que je vais en faire deux prônes. Un, je vais en laisser un là au cas où. Du coup, il faudra que je fasse deux, les doubles améliorations, mais c'est pas un problème. Il suffit de farmer offline. Donc, il me manquait. C'est ça, Simus, torpille. Non, ça c'est pour le Simos, non c'est pas ça. Merde, il manquait quoi? Encore? Bras à torpille pour le prône. Ah oui, c'est vrai. Moi j'avais tout, hop. Une petite sauvegarde. C'est bon. Donc on a le bras de forage pour combinaison prône, le bras grappin pour... et le canon propulsion. On a déjà pas mal de trucs. Hop. Donc là, après, il va me falloir... Ah, de nickel, j'en ai pas. Et du tistène, j'en ai pas. Et du nickel et du cristallin, j'en ai pas. Ça va être compliqué, hein. Je sais pas comment je vais faire. Et comment on les ajoute? Entrée, énergie. Je sais même pas comment on les ajoute. Là, non. Ah d'accord, c'est soit l'un soit l'autre. Ah ouais, d'accord. Bras à torpille pour un système de charge standard adapté pour tirer des torpilles. Bras grappin. D'accord. Merde, je pensais qu'on pouvait tout avoir. Canon propulsion de qualité industrielle conçu pour s'ajuster à la combinaison. Bras grappin. Ouais, c'est ça pour le moment. Et il y a un système. Donc les quatre systèmes d'amélioration, d'accord. Merde. Déjà avec ça. D'accord.
Énorme. Donc si tu veux viser, tac, tac. Ah non, tu peux pas viser super loin, mais c'est déjà pas mal. Faut apprendre à le maîtriser le machin. Oh merde, par contre la distance est assez réduite. De ce que je peux voir. Oh, ok. Et la distance... Ah, je suis à 900 mètres déjà. Ah ouais. Oh oui, on peut se faire déjà plaisir. Ok. Donc du coup, ce qui permettrait après de... Là, ça sert à rien. R ne sert à rien. ZR, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Ok. Ça, c'est pour ça. Ok. Donc là, pour le stockage. Et on va mettre ça. Bon, on se fera une aventure avec le prone. Oula. Je suis un peu chié dessus là. Franchement, c'est excellent. Mais je peux pas l'améliorer plus que ça pour le moment. Ça, c'est chiant par contre. Parce que c'est pas ce qu'il faut. Le nickel, j'en ai toujours pas trouvé. Ça, je pourrais le faire si j'ai du souffle de cristal. Un système de charge standard adapté pour tirer des torpilles. De toute façon, tout est créé, il n'y a plus qu'un. Là, les torpilles sont là. Titane et magnétite. On va bien voir ce que ça fait. Voilà, voilà. Et par contre, c'est où la charge? Ah ah! Parce qu'il se charge comment ce machin-là? Et je vois pas l'énergie, tout ça. Donc là, j'ai 100% de charge, ok. Il se recharge de où, ce con? La blague, elle est où la... Ah là, batterie haute capacité. Faudra peut-être que j'en fasse deux pour en laisser au moins deux là-dedans. Ouais, j'en ai déjà deux là. Je vais en laisser deux au cas où. J'en referai deux, c'est pas grave. Je sais plus combien il restait pour faire le système de torpille pour le CMOS aussi. Je crois que je vais pas avoir assez de titane. Je suis en dèche, ouais, je suis en dèche de titane. Là. Il manque encore deux titanes. Un aérogel, je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Non, j'avais pas ce qu'il faut. On le fera dans un prochain épisode, c'est pas grave. Par contre, il est déjà à 900 mètres, il est énorme, franchement. Hop. Hop. Là, on va récupérer nos outils. Voilà. Je vais mettre deux batteries haute capacité. Là, ce qui est avantageux aussi avec le prone, c'est que t'as quand même. Je me bouge les mille machin. T'as quand même plus d'espace de stockage et tout ça. C'est vachement bien. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés, mais... Voilà. Par contre, on peut pas éteindre la lumière. Ok.
Ils se rendent comment là-dedans là en fait? Ça c'est cool ça. Ah non, reviens. Merde. Ah c'est un coup à prendre. Oh là là. Oh je suis pas doué. Je peux pas monter tout seul. Ok. Que je suis bien là? Ah voilà. Nickel. La lumière elle reste allumée, nickel. Tant que ça consomme pas, ok. Je crois pas. Je sais pas comment on peut recharger ça. Les batteries là, je sais pas comment on peut les recharger. 1500, 1500. Énergie 840 sur 1200, d'accord. 165, 200. Celle-là elle est un peu fatiguée. Là je peux pas la prendre à moins de la remplacer. Il va falloir que je crée les batteries haute capacité. Encore. Oula 76, j'en ai une qui est cuite. Oh une 0 et une 76, ok. Ok ok. Il faut que j'en crée la dose. Ça va assez vite. Et en amélioration, vu qu'on a fait déjà pas mal de trucs, puis après on va se laisser là. Il me reste ça à faire là. Ah, réacteur thermique aussi. Mais ça je peux pas le faire. Il y a pas mal d'améliorations que j'aimerais bien faire, mais pour l'instant je peux pas. Ouais, je sais pas du tout c'est quoi la portée. Des petites croûtes, t'es bien. Ouais, je crois que ça ne fait plus rien, ça. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à alors. Par contre, faire 1000 mètres comme ça, ça va être compliqué. Il me dit ZR. Ah oui. Non, ça sert à rien là. Ok. Donc il faut bien sortir. Si je fais ça, non. Parce qu'à la base, si tu lui mets pas les bras. Voir le stockage. Ok. Moi, oh, c'est deux bras, je crois qu'il a. Hop. Je
un truc. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Donc, ouais, faut jouer intelligemment, quoi. Donc, je vais peut-être pouvoir faire quelques grottes. C'est encore compliqué pour ramasser, mais il y a peut-être moyen que je fasse quelques grottes quand même. Ok. Après avoir ce que je vais avoir besoin. Bon là pour l'instant c'est essai et découverte, hein, mais... Parce que du coup si je peux prendre ça... Par contre il n'y a pas le module de renforcement. De profondeur, ça c'est pas grave. Mettre juste un bras de forage pour les gros trucs qu'on va trouver là, et puis le reste on laisse un bras, comme ça on est tranquille. Enfin, on est tranquille façon de dire. Le bras grappin ça peut être intéressant aussi. Ok d'accord. Moi le grappin c'est vraiment quand t'es dans la merde en vrai. Donc là il y a l'île alien. Le vaisseau à voir. Ouais non mais du coup c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Grotte rose, entrée cyclope. Ah c'est quand même 1000... quand même moins, hein. Je sais même pas ce que c'est. Ah, fragment cycline. Ah, c'est impeccable. Ça fait plaisir de l'avoir depuis le temps. Je pensais pas l'avoir. Hein. Quand j'ai vu les 20 morceaux là. Ah ouais, par contre, je fais le con, mais... Faut que je rentre à la base, moi. Et la base, elle est... je m'en vais un peu trop loin, là. Donc, je pense que ce module-là, il est à prendre avec le cyclope. Il faut le laisser dans le cyclope, et puis voilà. Sinon, c'est trop galère. Parce que là, il faut l'eau, faut tout gérer. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc là il faut forer. Ah ouais. D'accord. Dépôt de sel ajouté à véhicule. C'est quoi ce délire? C'est pour ça qu'on aura une grosse réserve alors. Ouais, ok, je comprends. Oh, mais lâche-moi, toi. Ok, je comprends mieux. D'accord, dans le prone, il m'attaque pas, et là, il m'attaque. Bon, j'ai le gras-grappin, ok. Donc, j'ai compris. Donc, ça sert à rien de trop en mettre non plus. D'accord. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Donc là j'essaie avec le sel. Bon le sel ça m'intéresse pas mais... On a un dans nos rôdeurs. Non, ça j'en ai pas besoin. Non c'est celui-là que j'ai pas besoin. Bon, à torpille, j'en ai pas pour moi. Ok.
Et là, il faut aller là. Oh merde! Hop, on fait ça. Comme ça, on va pouvoir les déposer. Hein. Voilà, ça va faire de la place. Hop, et on va voir un peu ce que ça donne. Ça, c'est bon. Canon à propulsion, relâche. Ah ouais, ça je l'avais déjà. D'accord. Moi ouais, ça m'intéresse pas des masses, ça. Ce bras-là m'intéresse pas des masses. C'est quoi ça? Ah oui. Ok. Non, c'est pas celui-là qui m'intéresse le plus. On va rééquiper par là. S'il y a vraiment besoin, on l'aura, mais... Par contre, c'est bien qu'ils puissent récupérer des objets comme ça, là. C'est nickel. Ok. Faut que je fasse attention, quand même. Non. Je suis pas équipé, là. Enfin, je suis pas équipé, façon de dire. Ok. Faut que je rentre à la base et tout, donc... Du coup, je comprends mieux l'amélioration. Vu comment ça croque là, je pense que... Hop. Ça, ça aide à mort. Ok. J'ai compris. Ah, c'est pas mal, hein. Ça te permet de faire les grottes tranquilles sans sortir. Ouais, je sais, je sais. On y va. On est bientôt arrivé. Et voilà. Bon, on va se laisser là alors. Je vous dis à la prochaine sur Agatha TV. Donc, excellent épisode. On a été visiter l'Aurora, on a trouvé le prône avec un coup de chat. On a visité la fameuse épave, on a trouvé pas mal de trucs. On a reconstruit une salle. Voilà, une salle d'amarrage. Et on a fait les améliorations pour le prône. Donc, c'est vraiment un excellent épisode. Enfin, pour ma part. Je vous dis à la prochaine sur Agatha TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.